Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue avec nous sur Le Grand Changement. Ce soir, je réaccueille Ivan Skibic. Salut Ivan. Coucou Annelise, bonjour à tous. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Heureux de passer la soirée avec toi et avec les personnes qui le désireront pour donner un soin énergétique donc en direct. Soin énergétique qui va porter sur... la transmutation par le cœur. Donc, on va transmuter des énergies lourdes. Ça va être quelque chose que chacun va recevoir. En fait, les personnes ne vont pas recevoir la même chose en fonction de ce dont elles ont besoin de travailler. Et on va transmuter ces énergies par le cœur. Donc, voilà, ça va être un soin que je vais guider. Ça va être de votre côté, ça va être une méditation guidée de la personne qui reçoit. Mais bien sûr, pendant ce temps, enfin, il y a les choses, ce qu'on n'entend pas. Hein, et moi, je fais une guidance, si tu veux, avec des mots, pour aider les personnes à suivre ce qui se passe. Mais ce qui se passe réellement va bien au-delà des mots. Et ce sont des énergies de guérison que je canalise et qui vont toucher les personnes qui reçoivent le soin. Donc ce soir. Oui, merci. Tu es entré dans le vif du sujet, c'est déjà passionnant. Alors, est-ce que tu veux te présenter, Ivan, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors, je suis guérisseur et canal de lumière. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai pas du tout été. Ça fait pas si longtemps que je suis dans la guérison. Hein. Ça fait que quelques années que je suis dedans et que je partage. Et que je partage notamment sur YouTube des conseils, des expériences que je fais, des choses que j'apprends, des expérimentations que je peux faire sur les domaines de la santé, de l'énergie, de la spiritualité. Et donc c'est un plaisir de partager. Et le but de tout ça, en fait, c'est d'aider les personnes à monter en conscience. Donc c'est vraiment le but, c'est ce qui sous-tend tout ce que je fais, c'est aider les autres à monter en conscience. Ivan, ça veut dire quoi, monter en conscience? À ouvrir sa conscience, tout simplement. C'est-à-dire à passer de un individu centré sur soi, avec ses problèmes, etc., un certain détachement de l'ego, un certain détachement de la forme pour une vie plus heureuse et plus harmonieuse, si tu veux. En d'autres mots, parce qu'en fait, il y a plein de manières dont on pourrait l'expliquer. En gros, j'aide les gens à se détacher du monde de tridimensionnel et à découvrir, enfin, et à expérimenter le plus souvent dans le quotidien, parce qu'on le sait tous, mais c'est des choses qui se vivent et c'est une transformation qui est progressive, devenir des êtres davantage spirituels, mais tout en incarnant cette spiritualité dans la matière. Okay. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, en fonction des personnes qui écouteront, ce n'est pas forcément les choses... Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Mais ouvrir sa conscience, c'est tout simplement évoluer. Évoluer spirituellement et évoluer sur tous les domaines, en fait. Puisque quand on ouvre sa conscience, on grandit en conscience, en sagesse. Et bien évidemment, c'est son quotidien qui est transformé. Ces relations qui sont transformées, c'est la façon dont on aborde la vie qui est transformée. Mmh. Donc, la vie devient naturellement plus heureuse, plus épanouie, plus intéressante, plus épanouissante, plus intéressante. Donc, on va changer de longueur d'onde à ce moment-là, de fréquence? Oui, c'est ça. Alors, on parle de fréquence. Ouais. Là aussi, en fonction de qui... Enfin, voilà. En fonction de qui écoute le message, ça pourra. Enfin voilà, j'espère que tout le monde pourra comprendre. Mais on parle souvent de fréquence hein, en énergie, puisque tout est fréquence, tout est onde. Les couleurs sont des ondes, sont des fréquences. Même la matière en est, en fait, tout est simplement des longueurs d'onde. Quand on reçoit un son énergétique et quand on évolue tout simplement spirituellement, donc en fait, quand on est sur son chemin d'éveil spirituel, quand on est dans sa progression. On monte en vibration. Donc, en fait, on a des vibrations qui sont plus rapides. Et la vibration... enfin, voilà, c'est une manière de voir les choses, en fait. Donc, quand on parle de monter en vibration, ça veut dire tout simplement que il y a plus d'énergie positive
qui est la plus de lumière en nous. Et ces vibrations qui sont plus rapides vont transformer en fait les vibrations qui sont plus lentes en nous. On est composé, on n'est pas, si tu veux, un être égale une vibration. On est constitué de plein de choses. On est constitué de plusieurs corps déjà, de plusieurs corps énergétiques. On est constitué de plein de cellules, d'atomes, d'ADN, etc. Et puis tout ça, même jusqu'au plus petit élément qu'on peut imaginer, tout ça, c'est des vibrations propres. Et puis au final, ça fait une vibration globale aussi. Alors il y a des sous-vibrations, c'est-à-dire il y a des milliards et des milliards et des milliards de toutes petites vibrations. Et ensuite, chaque cellule, ça va être un aggloméré de ces vibrations-ci. Donc chaque cellule aura aussi sa vibration qui sera la composée de plusieurs vibrations, etc. Et au final, notre être, c'est la composée d'énormément de vibrations. Donc quand on dit on monte en vibration, on fait un son énergétique par exemple, et bien forcément, le global va monter et ça va aider à guérir donc, ou à faire monter en vibration certaines de nos cellules ou certaines de nos composantes qui vibrent un petit peu moins vite. Je ne sais pas si l'explication te convient. Oui, c'est vraiment la façon dont moi je me représente les choses et c'est la façon dont je comprends les choses. Après, moi je préfère parler d'une manière générale de lumière. Il y a de la lumière en soi. Et là, c'est pareil. La lumière, ce n'est pas ou éteint ou allumé. Donc, je préfère parler de lumière pour dire voilà, à quel point est-ce qu'on rayonne finalement, puisque quand on a la conscience qui s'ouvre, le cœur qui s'ouvre, quand on monte et quand on évolue dans sa spiritualité, forcément, on a une aura qui est plus grande. Donc, je préfère parler en termes d'aura et de lumière, c'est ce qu'on va rayonner. Et en fait, ce qu'on rayonne, voilà, c'est pas ou éteint ou allumé, c'est toujours... C'est toujours quelque chose de progressif, en fait. Et un son énergétique, ça vise à aider à rayonner davantage. En fait, on met davantage de lumière. Et en mettant davantage de lumière, on arrive à éclairer ses propres zones d'ombre. Ses propres zones d'ombre, c'est tout ce qui ne va pas. Enfin, c'est pas tout ce qui ne va pas, mais ce sont des choses qui ont besoin d'être guéries en nous, qui ont besoin d'être soignées. Ces zones d'ombre, ça peut être des blessures qu'on a vécues pendant l'enfance, qu'on a vécues dans d'autres, pas que pendant l'enfance, mais dans d'autres circonstances. Ça peut être des mémoires, ça peut être des entités, ça peut être du karma, ça peut être beaucoup de choses en fait. Ok, et donc ces zones d'ombre, est-ce qu'après on peut, tu vois, les accueillir, les aimer, même si elles restent de l'ombre en nous ? Ou bien est-ce qu'elles se transmutent en lumière ? Mais alors ces zones d'ombre, le but c'est quand on... Déjà la première étape pour soigner ces zones d'ombre, ça va être de les identifier. Alors, en tout cas, c'est pas une étape qui est forcément nécessaire, mais à un moment ou à un autre, il y a des choses qu'on va devoir identifier en soi. Donc en fait, on a des zones d'ombre. Ensuite, le but c'est d'aider ces zones d'ombre à devenir lumière. J'ai l'habitude de dire... que l'ombre, c'est de la lumière qui ne s'est pas reconnue. Tu le sais, on est tous des êtres, on est tous divins, on est tous de la lumière par essence. Et l'essence, hein, on est tous, on vient tous de la source. Il n'y a rien d'autre qui existe, la source, c'est partout. Et pourquoi, sur Terre, est-ce qu'il y a des contrastes ? Il y a à la fois de la lumière, de l'ombre. Bon, c'est quelque chose qui est là pour justement qu'on puisse reconnaître sa propre lumière. S'il n'y avait que de la lumière, on ne pourrait pas se reconnaître en tant que lumière. Et ces zones d'ombre, en fait, c'est de la lumière qui ne s'est pas reconnue. Et donc, le but, en fait, le but de la vie, enfin, et même de toutes nos vies, en fait, c'est le but de notre âme et de l'évolution de notre âme, c'est de se reconnaître en tant que lumière et d'exprimer pleinement sa lumière dans la matière. Et par conséquent... Le fait d'accueillir ces zones d'ombre et le fait de les regarder en apportant de la lumière dessus, eh bien, ça les fait se transmuter automatiquement. Et donc, on peut guérir comme ça, on peut transmuter des blessures, on peut transmuter ces zones d'ombre qui vont devenir lumière. C'est comme si tu as un enfant qui fait une bêtise. J'aime bien prendre cet exemple. Un enfant qui fait une bêtise. Tu peux soit le condamner, lui dire ouais. Ok, est-ce que tu as fait tes mal, etc. Donc, tu vas laisser en lui quoi, les traces de... Bon, il va s'en prendre plein la poire.
Il va comprendre que c'est pas bien, il va comprendre que il y a peut-être du manque d'amour, du rejet, il va vivre comme un rejet, enfin en fonction de son caractère, comme un rejet, comme voilà, enfin en tout cas, on peut créer des blessures en lui et on peut au contraire lui montrer que lui faire comprendre que ce qui voilà, qu'on l'aime en fait, lui faire comprendre qu'on l'aime malgré tout et malgré sa bêtise. Et le fait d'avoir fait ça, eh bien c'est quelque chose qui va vraiment le transformer, l'enfant. Enfin, c'est deux réactions complètement différentes. En faisant ça, en fait, on lui envoie de la lumière, on lui envoie de l'amour, et l'enfant ne recommencera jamais sa bêtise. Okay. Il ne la recommencera pas parce que, alors que si on le condamne, il aura tendance à la recommencer, en fait. Et s'il veut recevoir de l'amour ? S'il veut recevoir de l'amour, l'enfant, il pourrait recommencer aussi. Oui, mais en fait, alors c'est vrai que je parle de choses que j'ai moi-même expérimentées. Il y a des moments où en fait, je m'attendais, je savais que j'avais fait une bêtise et je m'attendais à des réactions. Et en fait, on m'a envoyé exactement le contraire de ce que je pensais. On m'a envoyé de l'amour à ce moment-là. Et là, je me suis senti complètement. En fait, c'est comme si on m'avait coupé. C'est comme si on m'avait. Je m'attendais à quelque chose. J'ai eu quelque chose d'inverse. C'est moi-même qui me suis rendu compte que ce que je faisais, bah, en fait, c'est moi-même qui avais envie de donner de l'amour hein, après. Et par conséquent, j'avais envie d'agir différemment. Donc, c'est vrai que dans cet exemple, je parle parce que ça fait écho vraiment à des choses que j'ai vécues, même des petits de trucs énormes. Mais en fait, la différence dans cette éducation et dans la façon dont on regarde les choses, dont on regarde ses problèmes, dont on regarde ses blessures, dont on regarde la maladie, dont on regarde des tas de choses, bah, en fait, juste notre regard en premier lieu, permet de changer ces choses et permet de les transmuter si on sait amener un regard d'acceptation, un regard d'acceptation parfaite, c'est le regard d'amour, en fait, d'amour inconditionnel. Ok, donc tu as expérimenté ça. Donc voilà, je ne sais pas si quand je parle, ça fait peut-être écho à des personnes qui nous regardent, voilà, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des exemples qui puissent vraiment parler à chacun. Enfin, c'est même pas possible. Mais j'aime bien cet exemple de l'enfant. Enfin, moi, ouais, parce que j'ai vécu cette chose. Et c'est vrai que quand tu t'attends à une réaction normale, entre guillemets, enfin, une réaction qui est souvent montrée dans la société et que tu reçois l'inverse et que tu reçois de l'amour, en fait, c'est toi-même. Tu te sens plein de gratitude parce que t'as été traité différemment, t'as été traité avec amour et par conséquent, en fait, tu as envie de rendre la même chose. Et donc, du coup, cette bêtise que tu as faite, tu ne la feras pas. Tu n'as plus envie de la faire. C'est génial. Merci, Eva. Et donc, en fait, écoute, de rien. Donc, ce soin qu'on va vivre maintenant, qui est disponible à vie, donc le soin énergétique live de transmutation par le cœur, on va se donner soi-même de l'amour aussi dans nos parts qu'on n'aime pas, qu'on rejette, même pour notre ego. Est-ce que ça va être aussi ça? Ouais, tout à fait. En fait, dans ce soin de transmutation par le cœur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir des blessures. On va faire venir des choses, des zones d'ombre. Et on va les transmuter à travers notre cœur, à travers le portail énergétique de notre cœur. Je vais bien sûr vous guider pour ça. Bien sûr, ça se fait pas comme ça. Allez hop, on transmute, on amène tout dans le cœur, boum. Il faut une mise en condition. Il faut qu'on se prépare, il faut qu'on monte en vibration avant. Hein, on va se préparer. Je vais guider une méditation pour ça. Et puis je vous guiderai dans tout le process, bien évidemment. Et sachant que la chose, je sais pas exactement comment ça va se passer. Je sais pas quelles énergies on va appeler. Tout ça, ça va être quand je serai dans le soin. Il y a des choses qui vont me venir, donc je serai inspiré pour la guidance, bien entendu. Ça fonctionne à chaque fois comme ça. Je ne suis pas un truc écrit que j'ai sous les yeux. C'est à chaque fois, on va se connecter ensemble. On va faire un travail d'enracinement, un travail de connexion ensemble. Et puis ensuite, je vous guiderai. Et vous participerez au soin. En fait, ce qui est important de comprendre là-dedans aussi, c'est que toutes les personnes qui choisissent de vivre ce soin, eh bien, elles vont travailler elles-mêmes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas le seul à faire le soin. C'est-à-dire, vous allez être mis à contribution. Je vous dirai, OK, à ce moment-là, vous visualisez ça. Votre visualisation, enfin, je parle de visualisation, il y a peut-être d'autres choses, mais votre pensée
et votre ouais tout, et si vous visualisez quelque chose, enfin tout ce qui vient de vous, c'est créateur en fait. Et on va utiliser cette visualisation créatrice, mais qui viendra de vous autant que de moi. Donc en fait, on sera plusieurs à faire le soin. Enfin voilà, on sera deux pour chacun d'entre vous. On sera deux à faire le soin sur vous. Il y aura vous-même et il y aura moi aussi. Enfin moi, et quand je dis moi, c'est pas moi, Ivan, c'est bien sûr les énergies que je canalise. Donc en fait, c'est vous aussi, vous êtes acteur de votre guérison. Et même quand on demande et quand on appelle un thérapeute, hein, on est toujours acteur de sa guérison. Moi, le thérapeute, c'est simplement quelqu'un qui catalyse les choses. C'est quelqu'un, c'est un facilitateur, si tu veux. Moi, c'est pas quelqu'un qui est une personne magique qui claque des doigts et puis boum, tu vas mieux sans que toi, tu aies fait un effort de désir, sans que tu te sois engagé vraiment dans le soin, en fait. Est-ce que tu sais, là, par exemple, ce soin-là, à propos de quoi il va être? Est-ce que déjà, tu as des messages qui t'arrivent pour te dire ça va être à propos de ça ou ça pour le groupe, ou tu ne sais pas encore, là, maintenant, ce qu'on va dire? Alors, non, alors, là, il y a quelque chose qui me vient, c'est que simplement, on va travailler sur des liens. On va travailler sur des liens. Alors, des liens, ça peut être des liens qui nous relient à d'autres personnes. C'est des liens d'attachement, hein, des liens d'attachement dits négatifs, en fait, c'est-à-dire ceux qui sont néfastes pour nous, pour notre évolution. C'est-à-dire, si on a des liens, on a tous, avec toutes les personnes, on a à la fois des liens qui sont positifs, qui sont des liens d'amour, et puis à la fois des liens de dépendance ou des choses comme ça. Donc, l'idée, ça va être d'épurer ces liens. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Enfin, en tout cas, c'est une réponse qui m'est venue quand tu as posé la question. Donc, c'est pas forcément des liens avec des personnes, ça peut être des liens avec des égrégores aussi, par exemple. Des égrégores, ce sont des formes pensées collectives. On est lié à des égrégores, donc il y a des égrégores qui sont positifs, il y a des égrégores qui sont, qui nous freinent. Des égrégores, c'est, par exemple, en ce moment, le Covid, il est là, il est partout, c'est mal, c'est dangereux, je risque de l'attraper. Voilà, des égrégores de peur, par exemple. Voilà, c'est plein, quand il y a plein de personnes qui pensent la même chose, en fait, ça crée un égrégore, c'est-à-dire des énergies qui sont très, très puissantes. Et on peut être relié à ces énergies, de près ou de loin, enfin, peu importe, mais elles peuvent avoir une emprise sur nous, ces énergies. Ce qui fait qu'on les alimente d'un côté, mais aussi, on s'en reçoit, on se reçoit tout ce paquet, et on est dépendant de ce paquet. Donc, l'idée, une partie du soin, ça va nettoyer, en fait. Ça va dissoudre tous ces liens d'attachement négatifs qui nous relient à d'autres, à des énergies, à des personnes. Ok, merci. Alors, on a vécu aussi une très belle vibra-conférence avec toi, Ivan, qui était vraiment magnifique. C'était se nettoyer énergétiquement pour se transformer. Et lors de cette vibra-conférence, tu nous as expliqué que tu donnais des soins gratuits. Est-ce que tu veux nous parler aussi des soins gratuits que tu donnes chaque semaine ? Oui, tout à fait. Alors, c'est des soins énergétiques que je donne de manière collective et gratuitement chaque semaine. Ça fait un an que je donne ces soins. Que ce soit les vacances, les jours fériés, que ce soit d'autres, dans d'autres circonstances, j'ai jamais loupé un soin depuis un an. Toujours au rendez-vous, toujours là pour aider. Et ces soins, en fait, c'est quelque chose de vraiment particulier pour moi. C'est vraiment quelque chose que je suis très fier, en fait, de donner, que j'ai plaisir à donner. Ouais. Parce que je sais qu'ils aident beaucoup de monde. Et pour quantifier ce beaucoup, puisque j'ai de quoi le quantifier, j'ai des informations là-dessus, il y a plus de 30 000 personnes qui ont déjà participé à ces soins collectifs. Donc, qui ont déjà reçu au moins une fois mon soin. Et puis, chaque semaine, il y a plus de 5000 personnes à chaque fois qui s'inscrivent. Ces soins, ils ont vocation à... Évidemment, c'est des soins énergétiques. Ils sont là pour aider les personnes qui en font la demande. Il n'y a aucun prérequis. C'est gratuit. Toutes les personnes peuvent en bénéficier si elles le souhaitent. Et la question du désir et de l'engagement dedans... elle est importante, puisqu'en fait, c'est des soins gratuits, on pourrait très bien s'inscrire en dilettante. Se dire, ok, je me suis inscrit. En fait, évidemment, quand on s'inscrit comme ça, les retours sont à la hauteur de son engagement dans le soin. Mais la plupart des personnes, de toute façon, qui participent me connaissent. Il y en a qui participent régulièrement, pas toutes les semaines, mais à chaque fois qu'elles en ont besoin, elles participent. Et puis, j'ai des retours, évidemment, avec toutes ces personnes qui ont participé déjà depuis le début, j'ai la chance d'être alimenté par des milliers de retours
sur ces soins que je donne et ces milliers de retours qui sont d'ailleurs publics, hein, que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Ces retours sont vraiment très très positifs. Et donc je suis très content puisque ça permet d'aider, énormément de gens. Donc c'est pleinement aligné avec qui je suis. Hein. Moi, c'était ces soins, si tu veux, ils sont nés. Enfin, si vous voulez, je m'adresse à vous tous. Ils sont nés à. Enfin, c'était un appel. Hein, le fait de faire ces soins. Déjà, je ne savais pas qu'on pouvait faire des soins de manière collective à l'époque. Et j'ai eu cette invitation en début d'année 2020 à faire des soins collectifs. Donc, j'ai commencé par faire un soin payant, puis un deuxième soin payant. Et après, le message, c'était non, mais tes soins collectifs, là, que, il faut que tu les fasses gratuitement et chaque semaine. Donc, OK, ben moi, j'ai suivi ce qu'il fallait faire. Hein, de toute manière... ça fait un certain temps que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire bon, j'ai des choses qui me viennent, je dis ok, je ne cherche pas à discuter, je suis tout simplement ce qui est juste et je fais ce travail entre guillemets, hein. Je suis ces aspirations et je donne des soins avec cœur, avec enthousiasme. Et je constate que ça aide beaucoup de monde. Donc en fait, ces soins, voilà, vous pouvez vous inscrire, je te laisserai donner le lien. Justement, j'ai donné le lien vers tes soins gratuits une fois par semaine. Donc, c'est marqué dans le chat. Et j'ai donné aussi le lien de l'atelier de ce soir. Donc, il y a deux choses différentes. Il ne faut pas vous embrouiller parce que des fois, les personnes s'embrouillent un peu. Voilà. Alors, une question pour toi, Ivan. Enfin, ce n'est pas vraiment une question, mais c'était Fadi qui dit « Alors, si on envoie une balle d'amour, on reçoit une balle d'amour. Si on envoie une balle de haine, on reçoit une balle de haine. Si on envoie une balle de haine... » et qu'on reçoit une balle d'amour, il dit on va être complètement déstabilisé. Ouais, c'est ça. En fait, je suis d'accord. Et il y a aussi une règle, de toute manière, une règle universelle, qui est la règle. Évidemment, ça nous déstabilise. Et en fait, enfin voilà, pour répondre à Fadi sur ce point. Ça nous déstabilise complètement et ça nous fait prendre conscience, en fait, de ce qu'on envoyait. L'enfant, il prend conscience de sa bêtise. Il prend conscience que... Et il prend conscience aussi que... De l'amour qu'on lui envoie malgré sa bêtise. Et là, il peut se sentir même... Enfin, ça peut même faire naître... Il peut se dire mince alors. Et prendre conscience de sa propre bêtise. Mais comme il a eu de l'amour, ça ne va même pas générer de blessure. Mais par contre, lui-même, son comportement... va évoluer et il aura envie de donner de l'amour à son tour. Donc ça, c'est vraiment très, très fort. Il y a quand même une règle qui se passe par rapport à ce quand on envoie, on reçoit. En fait, on reçoit ce qu'on envoie. Ça, c'est une règle générale. On reçoit ce qu'on envoie, donc c'est-à-dire que tôt ou tard, si on envoie des balles de haine, même s'il y a des personnes qui nous renvoient de l'amour, mais si on n'est pas capable de changer son comportement, ou si malgré tout, on n'est pas déstabilisé positivement par ces choses qu'on reçoit, ben, on va se recevoir des choses, pas forcément de la part d'autres personnes, mais il y a des situations dans la vie qui vont, ou dans lesquelles on va galérer, quoi. Jusqu'à ce qu'on comprenne. En fait, le but, c'est ça. Le but de notre âme, elle évolue à travers notre corps, à travers nos corps, hein, dans plusieurs vies. Et puis, tant qu'on n'a pas pleinement compris quelque chose, eh ben, il y a des situations similaires qui vont se représenter, on va galérer. Et puis, un jour, boum, il y aura une prise de conscience, on va agir différemment. Et c'est un petit peu ça qui va se produire. Donc, il y a quand même cette loi du karma qui est importante. Hein. Ce qu'on fait, ce qu'on envoie, eh bien, on se le reçoit. C'est pas forcément dans l'immédiat. Ça peut être plus tard. C'est pas forcément dans cette vie. Ça peut être dans une vie ultérieure. Mais tôt ou tard, il y a quand même cette loi qui s'applique et qui, voilà, on récolte ce qu'on sème, en fait. Hein. Mais quand c'est fait consciemment, donc quand c'est fait, un enfant qui fait une bêtise qui... Voilà, là je parlais d'une bêtise consciente, hein, parce que quand on fait quelque chose, ou une bêtise entre guillemets, mais qu'on n'est pas conscient que c'est une bêtise, bon, peut-être qu'on va se recevoir, quelque chose de, enfin, une situation, mais ça va pas être tellement déplaisant. Mais par contre, quand il y a de la conscience dedans, c'est-à-dire que je fais sciemment, j'envoie du mal à quelqu'un, ou alors je pourrais prendre l'exemple des soins énergétiques, des personnes qui font qui vont envoyer des intentions mauvaises sur d'autres personnes, elles le font sciemment. Oh là, bah, j'aimerais pas être à leur place parce qu'elles s'en reçoivent derrière, mais voilà, quand tu joues avec ça, quand tu as conscience de ton pouvoir créateur, quand tu as conscience de ce que tu fais et que tu l'utilises à mauvais escient,
Bon, bah forcément, tu vas te récupérer ça un jour ou l'autre. Ouais. Donc, Alors, on va aller dans l'atelier, on va aller vivre ce soin énergétique, ouais. Transmutation par le cœur. Et juste avant, je te donne un joli retour de Françoise qui te dit bonjour à tous et à Ivan. Merci pour le soin sur le thème du féminin sacré. Merci Françoise. Oui, oui, Françoise, je vous connais bien. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et puis, il y a aussi Bug qui dit question pour Ivan. Connaît-il une technique pour rompre des liens d'âme toxiques? Et puis après, on va aller faire l'atelier. C'est la dernière question. Après, on y va. Alors oui, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour rompre des liens d'âme. Donc là, on va travailler sur les liens ce soir. Donc, dont ces liens d'âme. Donc, vous allez voir, hein, je vous demanderai de visualiser des choses. Enfin, voilà, on va travailler dessus. Je vais voir comment ça se présente vraiment sur le moment en détail. Mais il y a des techniques. Hein, si vous sentez qu'il y a des liens d'attachement à rompre avec des personnes que vous connaissez, il y a plusieurs techniques que vous pouvez utiliser. Il y en a une d'entre elles que je présente sur Internet, c'est la technique des bonhommes allumettes. Il y a aussi d'autres techniques. En fait, n'oubliez pas qu'une technique énergétique, c'est simplement le fait d'utiliser votre pouvoir créateur. Et des techniques, on peut en créer, je pourrais vous en créer 10 par jour, dans la mesure où les principes qui s'appliquent quand on suit une technique, ce qui s'applique, c'est l'engagement qu'on y met, c'est son propre pouvoir créateur. Donc, si je vous dis, ah bah tiens, tu dessines un bonhomme, ça va te représenter, tu dessines un autre bonhomme, ça va représenter l'autre, on fait des liens et puis on va couper ces liens, bon bah là, on crée quelque chose, on crée une réalité, ce bonhomme, ça représente l'autre personne, ce bonhomme, ça représente soi, et puis on coupe les liens. C'est une façon très pratique de le faire, c'est les bonhommes allumettes, ça, je le détaille un peu plus, mais on utilise par représentation, on a créé quelque chose, on a représenté ces liens et on a coupé ces liens. Et donc, ça a une vérité énergétique. Je pourrais vous inventer d'autres techniques en disant, tiens, tu prends un morceau de bois, ça va te représenter un autre morceau de bois, tu attaches une liane entre eux, ou n'importe quoi. Et puis, du coup, ça peut faire ça. Je peux vous dire de mentaliser ça. Vous imaginez qu'il y a un truc qui vous relie, boum, tu coupes avec une épée. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est des techniques et tout ça, ça marche. Parce qu'en fait, on crée dans ce process de visualisation, de représentation, en fait, on crée quelque chose et c'est quelque chose, ça a aussi une vérité énergétique. Et donc, c'est là-dessus qu'on agit. Donc, des techniques, oui, il y en a même plein et bon, on peut même en inventer. Donc, c'est chouette parce qu'on peut faire, du coup, on peut faire plein de choses et on peut faire de tas de manières différentes. Merci beaucoup. Alors, on va passer dans le soin de transmutation par le cœur maintenant. Vous pouvez donc nous rejoindre et vous pouvez aussi vous procurer le soin par la suite. Il est valable à vie. C'est ça qui est cool. Ça marche. Voilà, pas c'est ça. C'est ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce soin, il est enregistré. Et les enregistrements, dans les enregistrements, il y a les vibrations du soin. Vous pourrez le revivre parce que bon, je fais une guidance. Et donc, vous pourrez toujours la suivre, mais il y a, comme je le disais, au-delà des mots, il y a des choses qui passent. Et ces choses qui passent, en fait, elles sont contenues dans l'enregistrement, même si c'est des choses qu'on ne peut pas entendre ou pas voir. Et ça, c'est pareil. C'était quand j'ai fait des soins énergétiques sous format audio. Ça aussi, c'était quelque chose de canalisé. C'était « Ok, il faut que tu fasses ça. » Je ne savais même pas que ça existait. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Et finalement, je l'ai fait, j'ai constaté que ça marchait et j'ai même, pour expérimenter pour expérimenter jusqu'au bout la chose, j'ai enregistré des intentions, c'est-à-dire que j'ai enregistré des choses complètement vides de son et j'ai fait écouter cet enregistrement donc à des personnes que je connais et qui sont très sensitives, donc ils vont ressentir très fortement les énergies dans le corps. Et donc, en fait, ces personnes sentaient ma présence dans cette audio, mais dans lequel on n'entendait rien. Et ce que j'ai enregistré, il n'y avait pas de message subliminal, c'est-à-dire des choses que je mets en tout bas. Non, il n'y avait rien. C'était du vide, c'était du son blanc. Mais pourtant, voilà, les intentions sont contenues. Donc, en fait, là, c'est pareil. Là, à travers cet enregistrement, il y a les intentions qui sont là, qui sont contenues dans le son et que vous pourrez revivre, en fait, à volonté. Et à chaque fois, ça va...
ça va agir de manière différente. C'est-à-dire que ça va travailler sur des niveaux d'intégration qui sont différents. Parce qu'évidemment, un soin énergétique, ça ne va pas vous libérer de tout ce qui ne va pas, de toutes vos zones d'ombre. C'est juste pas possible. Sinon, il suffirait de faire un soin qui va vous nettoyer de tout ce qui vous de tout ce qui vous empêche de vous éveiller, et vous serez éveillé avec un soin énergétique. Ça n'a pas de sens. L'éveil, c'est un process, ça prend du temps, et à chaque fois, on nettoie des couches, on enlève des couches, on enlève des couches, et après, on nettoie des choses de plus en plus profondément. Génial. Ben, on va aller nettoyer tout ça, on va les transmuter par le cœur. C'est super chouette. Petit clic.